Fajitas al Despaso presenta Tardes con el Diablo. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy recibimos a una muchachita que... Bonjour, je suis John Cassavest. Vous m'avez probablement déjà vu dans des films tels que Pokémon et Épilepsie, coupable ou responsable, ou bien comment Goldorak a tué l'illustré français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au courrier d'un petit lecteur. En effet, Timmy nous a écrit cette lettre. Bonjour John, j'ai un copain qui adore se déguiser en plombier moustachu ou en surhomme aux cheveux blonds. Mon papa me dit que faire ce genre de choses, c'est le fait de taré et nihiliste. Est-ce vrai John, que mon ami est complètement taré? Ah, Timmy, mais non, ton ami n'est pas taré, il est tout simplement cosplayer. Écoutons d'ailleurs ce qu'a à nous dire un historien très célèbre à ce sujet. L'homme a commencé à se cosplayer dès la préhistoire pour ressembler le plus possible aux énormes rhinocéros qu'il pouvait voir dessinés sur les parois de leurs grottes. Les Égyptiens également aimaient se travestir en être mi-homme mi-bête, comme dans les illustrés sur papyrus dont ils raffolaient à l'époque. En Europe, terre de catholicisme strict, le cosplay était vu comme une pratique païenne héritée des barbares. Bien que des gens se fussent déguisés comme dans la célèbre BD « La tapisserie de Bayeux », la chose était peu acceptée et est devenue carrément taboue pendant la Sainte Inquisition. Étonnant. Voyons maintenant ce qu'en pensaient nos contemporains il y a à peine une cinquantaine d'années. Voyez comme ils sont innocents et naïfs. Ces jeunes gens sont là, à faire du stop. Après tout, c'est une excellente manière de se rendre d'un point à un autre. Mais certaines fois, on se trouve face à des dangers que l'on n'aurait pas imaginés. Alors n'oubliez pas, si vous rencontrez un étranger, faites attention s'il est trop amical. On ne sait jamais quelles sont les intentions d'un cosplayer. Tenez, regardez, voici Jimmy Barnes. Jimmy a joué au baseball tout l'après-midi, et il a la flemme de rentrer à pied chez lui. Il décide de faire un peu de stop. Il l'a fait des centaines de fois avant, et il n'a pas pensé que le conducteur avait quelque chose d'anormal lorsqu'il s'est lancé dans une conversation amicale. En fait, il a vraiment l'air d'être un chic type. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il est malade. Pas une maladie voyante comme la varicelle, mais pas moins dangereuse et contagieuse. Il a une maladie de l'esprit. C'est un cosplayer. Un homme, constamment à la recherche de jeunes personnes, pour se joindre à son team costumé d'imitateurs de personnages d'illustrés nippons. Alors, n'oubliez pas, si vous rencontrez un étranger, soyez méfiant s'il se révèle trop amical, s'il essaie de gagner votre confiance et s'il devient trop insistant. On ne sait jamais quelles sont les intentions d'un cosplayer. Il peut apparaître normal. Heureusement, Timmy, aujourd'hui tout a bien changé. Les hippies sont passés par là et désormais, on peut même si on veut se cosplayer. Regardez, ils sont impressionnants, mais ils sont à peine agressifs. Étonnant, non? D'ailleurs, écoutons ce qu'ont à nous dire des jeunes gens animés par la passion des costumes. Étonnant. Aujourd'hui, les parades costumées sont devenues de très 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 grands événements. Et chanceux téléspectateurs que vous êtes, je vais vous inviter à me suivre au cœur d'un cosplay. Suivez-moi.